Mungu ibariki Afrika. Notamment aux Nations Unies, à l'ICAN, à l'UIT, au GSMA. C'est l'occasion de les remercier solennellement pour ce bel arbre planté il y a 20 ans et bien entretenu grâce aux différents acteurs. Il y a 20 ans, on ne voyait pas vraiment l'Afrique dans un certain nombre de forums où on parlait de l'Internet. Ni je ne le connaissais pas du tout. Mais lors d'une conférence de 700 à 1000 personnes, quand vous retrouvez juste deux Africains, en tout cas deux Noirs, vous dites, bon, ben, vous êtes de quel pays, ben, vous sympathisez. Et puis après, vous vous posez la question, mais tous ceux dont ils ont parlé dans la salle, là, est-ce que ça nous concerne, l'Afrique, ça? Donc l'idée est venue de là, de tout faire pour que l'Afrique y soit. Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer à travailler, n'est-ce pas, entre les différents pays. Pour ma part, la question se pose en termes de comment promouvoir son utilisation responsable et optimale, efficace et efficiente, uniquement à des fins de développement pour le bonheur de nos populations. Mon souhait est que les présentes assises contribuent significativement à mûrir les réflexions pour l'accès équitable et responsable des populations à l'Internet en vue de l'accélération des progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable pour lesquels l'ensemble de nos pays s'est engagé. Avec la quatrième révolution industrielle, on dit qu'on peut aller beaucoup plus loin en utilisant toutes ces technologies-là pour améliorer l'humanité. Présenter les initiatives, certaines initiatives locales et qui justement sont menées et sont exécutées par des jeunes dans le pays et qui visent essentiellement à contribuer, si vous voulez, au développement de notre cher continent. Dans le groupe, il y a des gens qui me disent « Non, il n'y a pas de témoins à passer. » Et ils se sont battus pour trouver leurs témoins. Il faut que les jeunes trouvent leurs témoins aussi. C'est à débattre. Mais je pense qu'il faut passer les témoins. Je pense qu'il faut faire un travail de mémoire, raconter l'histoire du développement de l'Internet en Afrique. Je crois que c'est aux Africains de le faire. L'extrême droite au dernier rangé, vous mettez bien la tête pêle-mêle, il y en a 22. Ils sont finis les ans. Ils veulent faire quoi ?